Le numéro 2, Helloween Mans, nous est présenté par Hubert Claude de Colorme de Mans, dans la Saône-et-Loire, tout près d'ici. Une fille de l'Or du Sud, donc grise également, comme son père l'Or du Sud, avec une mère par elle, Valanour. Valanour, donc on se rappelle qu'il est le père de Voix du Nord, le tant regretté Voix du Nord. Falissa Mans, la mère, donc, qui compte une place en deux sorties et qui a pour qualité principale de une fille de Prisca Dumoulin, de victoire en plein obstacle. Et qui est une sœur de Saphir Amance et Nidéa Dumoulin, deux poulies de grande qualité. Voilà une jument bien dessinée qu'on va pouvoir faire marcher. Vous pouvez la reposer après pour que les juges la soumettent à leur sagacité. On va marcher tout d'abord. Une pouliche imposante donc de l'Or du Sud, la mère par Valanour. La mère sœur de Nidéa Dumoulin, six victoires, une en plat. Et puis après, elle a mieux encore fait un obstacle. Elle a remporté le prix Roger Soulange Potin. Qui concerne Saphir Amans, une carrière un peu parallèle, une victoire en plat et 5 également en obstacle. Elle s'est imposée aussi à Anguin, deux chevaux, deux juments, donc ils se ressemblaient beaucoup. Là, on enchaîne par le trot. Helloween Mans, présenté par Hubert Claude Delorme, qui porte le numéro 2. Voilà, on verra beaucoup de gris aujourd'hui. On en voit de plus en plus des gris, bien sûr, dans tous les concours et dans toutes les courses de France, par l'influence de tous les Caldoun, les Linamix. Et compagnie, on peut retrotter encore une fois, effectivement. Et là, nous avons pas mal de productions de l'Or du Sud. La première production de l'Or du Sud réalisée dans le centre de la France. Voilà, Helloween Mans, le numéro 2, qui trotte face au juge. Là, voilà.